Mais tout à l'heure, t'as vu la grise en classe, elle s'est complètement étalée devant le prof. En plus, c'est la couleur des vieux. Fallait bien que je me défende. Mon honneur était dans mon jeu. Elle est rouge, qu'est-ce que vous faites là? Il m'a encore embêté parce que je suis pas rouge. On sait pas, ça se trouve, le gris ça a été la mode un jour. Ça a jamais été à la mode, qu'est-ce que tu dis? Ça a toujours été le rouge qui a été à la mode. Mais non, mais tu rigoles, ça a jamais été à la mode quoi. Donc c'est. Ouais, t'as raison, mais c'est pas très beau en plus. T'as vu notre couleur? C'est magnifique alors que. Oh, c'est plus beau. Ouais, c'est moche. On n'allait pas se laisser bouffer non plus. Je n'ai rien fait. Mais vous aurez peut-être pu intervenir? Bah, qu'est-ce que j'allais faire toute seule devant un grand groupe? Heureusement qu'on a arrêté à temps cette folie. J'ai essayé parce que c'était interdit et j'y suis allée souvent et puis je me suis rendu compte qu'en fait ça changeait rien. Je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucun mal à ça. En tout cas, ça nous servira de leçon. Qu'est-ce que ça change pour vous? Que je sois gris ou rouge? Ne suis-je pas le même? Ne dites pas que vous êtes superficiel. Comme ça là, franchement. Je me demande vraiment comment on a pu déclarer une guerre comme ça. C'est stupide à ce moment-là. C'est comme si c'était nous les jours de l'année, n'est-ce pas? Au moins, ça nous servira de leçon. On ne recommencera vraiment jamais ça. C'est quand même mieux comme ça, moi je veux dire. Nous montrons chaque année ces images de nos élèves filmées il y a 50 ans par nos ancêtres. Pour ne jamais oublier que dans le fond, nous sommes tous les mêmes. Et...